Coucou mes petits hérissons, c'est ça, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un tout nouvel épisode de la découverte du gameplay sur Autonauts. Donc on va découvrir ça tous ensemble. C'est un jeu de farming, construction, simulation aussi. Donc on incarne ce petit personnage là, et en fait on est un Autonauts. Donc notre but en gros, c'est d'automatiser les planètes et de faire en sorte que tout tourne au mieux. Donc voilà, d'après ce que j'ai pu lire un peu dans la description. Donc je vais vous présenter la version pré-alpha.4. Donc vous voyez, hein, c'est écrit en dessous. Et du coup, bah, on va commencer et on va commencer à crafter des bâtiments. Donc je récolte un peu de bois et de pierre pour fabriquer une hache. Je la fabrique et je vais commencer à couper quelques bois. Je vais couper quelques arbres. Notre but en fait va être de créer des robots et de pouvoir automatiser tout ça. Donc hop, tiens, je me passe en QWERTY. Voilà, c'est bon. QWERTY c'est fait. Je vais commencer par poser, tiens, quelques petits trucs de sol. Hop. Comme ça. Attendez. Voilà, on va récupérer la pierre, on va la décaler. Voilà. Normalement, c'est bon. Donc, on va commencer à crafter du sol. Pour poser certains bâtiments, il va nous falloir du sol. Donc, on va le faire directement. Et c'est parti. Hop là. Il va nous falloir. Ah oui, mais du coup, je l'ai pas bien placé encore. Voilà. C'est bon. Il va nous falloir décaler ça aussi. Et normalement. Voilà. Hop, on récupère ça. Et on va replacer encore un autre sol parce que ça va nous être utile. Donc voilà, on a placé du sol. Pour placer certains bâtiments, il va nous falloir ça. Pour fabriquer les sols, il va nous falloir deux logs. Donc on va prendre les logs. On va commencer à fabriquer tout ça. Il y a d'autres logs par ici. Hop. Faut faire attention. Tous les outils que vous allez créer ont une durabilité sur une durabilité. Donc la hache va se péter au fur et à mesure de l'utiliser, etc., etc. Donc tout n'est pas découvert encore. Hein. Vous voyez que si je vais là, je vais découvrir certains biomes différents. Donc là, hop. Donc là, il y a des bonhommes. Là, je sais pas, hein, exactement ce qu'ils font. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Bonne question. Voilà qu'on découvre ça. Donc bien entendu, le jeu n'est pas encore tout à fait fini. Enfin, vu qu'il est en pré-alpha, je veux dire, c'est qu'il n'a pas tous les contenus disponibles. Donc, une fois que ça se sera fait, on va commencer à vouloir créer ça. Voilà, nickel. Éventuellement, on va la mettre dans ce sens-là. Non, plutôt dans ce sens-là quand même. On va la mettre là. On va créer ça. Il va nous falloir un Basic Workbench, mais bien entendu... Oh, merde. Basic Workbench. Je vais le placer ici comme ça, je vais optimiser la place pour le moment. Et donc pour ça, il va nous falloir deux logs, deux planches et une stone. Et là, il va nous falloir deux stones. Donc déjà, on va fabriquer en priorité ça. Hop, tiens, je vais récupérer ça. Et là, il y a une autre pierre. On va aller la récupérer. Est-ce qu'il y aurait... Ah, yes, il y a un endroit. C'est quoi ça? Oh, des vaches. J'ai eu peur, je me suis dit. Des créatures qui vont m'attaquer. Donc là, on commence à poser un peu les machins. Pour avoir des logs, c'est très simple. On va aller récupérer la hache. On va couper ces deux rondins ici. Il va nous falloir 4 planches et 2 logs. On va couper ça. Hop. On va avoir 4 planches du coup. Et ici, on va couper les deux arbres qu'il y a là. Ah merde! J'ai posé ma. Ah oh, ça c'est chiant, des fois je me fais avoir. En fait, j'ai lâché ma hache sur l'arbre. Et du coup, elle est bloquée. Donc c'est pas grave. Je vais alors crafter une autre. Et je vais aller recouper l'arbre. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc pour créer des planches, on coupe les rondins. Et pour créer des logs, il faut couper comment dire, les planches. Donc ça c'est fait. Deux logs. On va pouvoir. C'est bien des logs ça. Ah non, je suis con. C'est pas des logs, ça c'est des pôles. C'est des bâtons. Les logs, c'est les rondins. Merde. Déjà, on va placer ça. Hop. Voilà. On va récupérer ceci. On va la poser là. Ah non, en fait, ma hache a cassé, en fait. Tout simplement. Ok.
Donc ça, c'est fabriqué. Donc maintenant, on va pouvoir transformer des logs en planches. Pourquoi j'ai fabriqué ça en priorité? Car quand je casse les logs avec ma hache, j'obtiens juste deux planches. Lorsque je vais fabriquer des planches grâce... Hop, faut pas que j'oublie de poser ma hache. Grâce à la série, je vais pouvoir en fabriquer 4. Donc ça va être plus optimisé, ça va être mieux. Voilà, hop. Et là, c'est des pôles qu'il faut. Ok. Donc là, on modifie. On va vouloir couper quelques logs. Hop là. On pose ça. Et on va poser les logs. On récupère la hache. Et on va couper les différents types de. Enfin, d'autres. On va dire d'autres rondins. Pour finir de fabriquer tout ça. Et une fois qu'on aura terminé ça, on va commencer à essayer d'automatiser un peu la chose. Ouais, c'est bon, j'ai récupéré les rondins. Les vaches qui me font délirer à les entendre manger. Donc voilà, ça a été fait. On va pouvoir créer ceci qui va me servir à fabriquer des robots. Mais d'abord, il va nous falloir un worker assembly. Et on ne peut pas le placer là. Par contre, ça, on va le placer bah tiens, juste ici. Assembly. On va le placer là, tiens, allez, ça va être très bien. On ne va pas être très loin de tout ça. Il va nous falloir deux logs, deux planches et deux pôles. Ok. Excusez-moi, j'avais oublié de fermer Discord. Je suis désolé si vous avez vu éventuellement les fenêtres. Voilà. Et du coup, les logs, on en a par ici. On en a pas mal. Ça va, c'est cool. On va pouvoir fabriquer du coup la worker assembly et dire à nos gars, on va embaucher après un gars. Voilà, ça c'est fait. On va poser ça ici. Ça a été fabriqué. Et du coup, on va fabriquer un cru de guerre. Pourquoi? Parce que en fait, pour fabriquer notre premier. Soit on fabrique un cru de workbot, soit on fabrique un basic workbot. Malheureusement, je ne peux pas encore fabriquer les basiques. Donc je vais me concentrer sur les cru de workbot. Il va me falloir 4 planches, 4 pôles et un crude gear. Pour ça, il va me falloir juste une planche. Hop. On le met, on le récupère. En gros, ça va être le corps un peu du robot. Merde. Hop. Voilà. La planche, on va aller la récupérer. Ici, on va faire des pôles. La planche, on va la mettre. Et en attendant, on va aller récupérer ça qu'on va mettre là. Allez, hop. Ok, on récupère les planches du coup. Et on va avoir notre premier petit soldat. Voilà. Et voilà. Donc d'abord, je vais vouloir qu'il a... On va fabriquer comment dire, une pelle. Donc il va me falloir des planches et des pôles encore. Donc, on va aller récupérer ça. On va aller le mettre. Pourquoi je vais vouloir faire ça? Tout simplement pour qu'il fabrique des outils. Et là, des pôles. Voilà. Donc là, on va poser ça là. Et ça. On va poser ça là. Donc voilà, une pelle. On va la poser. Bah on l'a posée ici, tant pis. Hop, on va en fabriquer une autre. Parce que j'ai pas trouvé encore de solution plus optimisée, malheureusement, que ça. Donc, la pelle, on va la placer là. Ça, on va la replacer là. Ce que je vais vouloir faire, en fait, je vais appuyer sur espace. Et en gros, j'utilise un petit sifflet, je dis hey, robot, Anna. Donc le robot s'appelle Anna. Je clique sur Anna, je clique sur Teach pour lui apprendre en gros. Et je vais commencer à apprendre. Donc je fais la sélection comme si c'était moi. En gros, tu vas prendre la pioche en machin. Après, tu vas du coup aller hop, creuser un trou. Une fois que c'est fait, tu vas aller poser la comment dire la machine. On va juste enlever le move machin parce que je veux qu'il la pose n'importe où. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Tu récupères une seed
et tu plantes la graine. Je fais forever, je clique sur répète et j'appuie sur go. Du coup, regardez, hop, il va s'occuper de creuser un trou. Il va récupérer. Par contre, pourquoi il ne veut pas? Ah, j'ai du mal le faire. Attendez. Teach. On recommence. Tu récupères ça. Tu fais un trou. Ah putain, merde. Hop, on recommence. Tu récupères ça. On recommence, je me suis encore foiré, merde. Tu récupères ça. Tu fais un trou. Et on va rester comme ça parce que on va essayer quand même. Tu vas poser ça ici. Ok. Tu récupères ça. Oups. Tu le plantes. Tu fais répéter. Ok. Est-ce que ça va être bien? Ok. Là, il récupère ça. J'avais peut-être un endroit où je m'étais foiré. Hein. On va bien voir. Ok. Ah, bon sang. Bon, c'est pas grave. Anna. Stop. Teach. Ok. Tu récupères ça. Ça, on s'en fout. Tu vas me... Merde. Je l'ai fait tomber. Tu récupères ça. Tu me fais un trou. Tu fais go. Voilà. Et normalement. Putain, mais qu'est-ce qu'il est con, c'est pas possible. Il me fait de la merde. Tu récupères ça. Tu vas faire un trou. Voilà. Forever, répète. Ok. Putain, mais en fait, c'est parce qu'il a ça. Ok, voilà. Voilà, attendez. Hop. Vas-y, continue. Bon, par contre, il va aller à chaque fois changer d'item. C'est pas grave. Ok, c'est bon. On a réussi! Ouais! On va refabriquer un autre petit soldat, du coup. Et le petit soldat, on va lui dire de fabriquer. De fabriquer quoi? Qu'est-ce qu'il va nous falloir exactement? Peut-être de couper des arbres. De planter directement. On va essayer de faire un gars qui plante. Comme ça, on va être autosuffisant. Et on va devoir aussi, du coup, fabriquer après d'autres trucs. Toc toc toc, ça c'est quoi? Non, ça va pas être possible. Fertisant. Ah, là on ne peut pas le poser. Ok, hutte. Totem. Ok, on va falloir qu'on fasse tout ça. Donc là, il a commencé à faire des trous. Il est content. Tout le monde est content dans le meilleur du monde. Ici, tu vas me fabriquer un... Ah tiens, j'ai pas fait attention. Tu vas me fabriquer ça. Donc il va me falloir une planche. Allez, récupère la planche. Tu la poses. Ok. Là, il va nous falloir 4 pôles du coup. On va les poser là. Ah! Ah! Vous allez voir. Du coup, là, ce qu'il a, en fait, c'est qu'il n'a plus d'énergie. Je vais devoir, du coup, bah tiens, je vais faire un robot directement qui va s'occuper de ça. Voilà. On va poser. Ah bah tiens, j'ai plus de hache. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le robot. Et bah du coup, je vais le recharger en fait. Je vais tourner une sorte de manivelle qui va faire en sorte de recharger. Hop. On va planter. On va planter un peu de graines.
Pour l'instant, on n'a pas forcément besoin au final de quelqu'un qui va s'occuper de ça. Hop là. Voilà. Là, il va nous falloir quelque chose pour faire des pôles. Il va nous falloir quelque chose pour faire des planches. Encore. Voilà. Allez, vas-y. Pose-moi ça. Nickel. On va récupérer l'épaule. Donc, les petits bruits que vous entendez, ne vous inquiétez pas. C'est pas grave. C'est en fait, c'est les arbres qui poussent. Cancel. Voilà. On va voir un autre gars. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, j'hésite. Pour l'instant, c'est pas forcément très utile. Qu'est-ce qu'il nous faudrait comme... comme gars. Éventuellement, il faudrait qu'on fasse un stockage. Bah tiens, ça c'est généraliste stockage. Faut le poser par terre. Éventuellement, on pourrait le poser là. Là et là. Il va nous falloir quoi? Il va nous falloir des planches. Bah, tiens, on va récupérer ça et on va fabriquer des planches. Toc. Voilà. Ici, on va récupérer... Bah, ben, on n'a plus de... Tiens, il va falloir nous fabriquer une hache. Hache, il va nous falloir une planche et un pôle. Voilà. On va s'occuper de couper tout ça. Ah non, merde! Je me suis encore planté. Quel con. En fait, à la place de cliquer sur clic droit, j'appuie sur clic gauche et du coup, ça pose les objets en clic gauche. C'est pas bien grave, mais faut y penser quoi. Toc. Et lui, il est déchargé. Vous savez quoi? Pour l'instant, toc. Voilà, c'est fait. On va récupérer toutes les planches du coup. Ah merde! Ça, on va les poser là. Et on va récupérer encore d'autres logs du coup. On va continuer un peu tout ça. Hop. Une planche. Voilà. Ici, des pôles. Par contre, je peux pas le mettre dans ce sens-là. Tiens, je vais essayer un truc. Toc. Voilà. Est-ce que je peux le mettre? Ouais, je peux le mettre comme ça. Par contre, je ne suis pas sûr de voir ce qu'il y a dedans. Ok. Ici, on va mettre des logs. Ah si, je pourrais voir du coup comme ça. Ok, ça va être pas mal du coup. Ici, ça va être notre petite zone de stockage. Comme ça, bah tiens, éventuellement, lui, on va quand même lui dire de taffer, hein, de fabriquer. Hop là. Mais non, mais j'avais déjà des haches de disponibles. Ok, c'est pas grave. Donc, Zara, on va lui dire, Zara, tu vas... récupérer la hache. Tu vas couper et tu vas répéter. Voilà, c'est bon. Normalement, elle va commencer à couper. Donc nous, ce qu'on va faire en attendant, en fait, à chaque fois, il va aller récupérer une hache. Ce qu'on va faire en attendant, c'est qu'on va créer un autre gars. Fruit de machin, une planche. Je crois qu'il y en a un qui est vide. On va commencer du coup à refabriquer d'autres trucs. Non, tiens, j'ai un lock qui est là. Allez.
Merde, je me trompe de touche. Allez, toc. Et ici, le prochain cas, ça va être pour fabriquer, comment dire, pour recharger les gars. Comme ça, j'aurai plus besoin de m'en occuper. Apprends. Tu vas... je sais pas si... Ok. Hop, répète. Et du coup, lui, pour l'instant, il va se mettre en attente. Il va attendre, en fait, que quelqu'un tombe en panne pour pouvoir, du coup, récupérer tout ça. Enfin, pour pouvoir aller récupérer. Planche. Merde, j'ai fait tomber le... Et là, en fait, va falloir... Je vais faire des planches en avance. Comme ça, je vais pouvoir fabriquer d'autres gars. Voilà. On va les poser là. Hop. D'épaule. Le temps que ça se fasse, nous, on y va. Voilà. Et, ah, lui, il va bientôt tomber en panne. Donc, on va bien voir quand lui, il va tomber en panne. Ah, voyez, il l'a mis automatiquement. Ah, merde, il m'en manque un. Voilà, c'est bon. Nickel. Ça, c'était fait. Normalement, il doit y avoir des pelles par là. Je ne sais pas. Bah non, il n'y a pas besoin de pelles. On va dire à Emma. Emma, tu ramasses une graine. Et tu la plantes. On va voir si elle y arrive tout le temps. Ouais, c'est bon. Comme ça, déjà, on va commencer à avoir une production un peu plus... au niveau des arbres, un peu plus optimisé. C'est pas fini. On continue. Et là, ce que je vais vouloir, c'est qu'un gars, il aille maintenant récupérer les planches. Allez, encore une fois. Comme ça, j'aurai de l'avance. Cancel. Et là, on va récupérer tout ça. Et on va pouvoir placer... Nickel. On récupère les planches. On les place là. Et on a un nouveau gars. Donc lui, je vais lui dire... Hé, hey, Clem, va récupérer la log. Et tu la mets... Ah, merde. La mets là-dedans. Répétez, go. Et normalement. Ah, plus personne a du boulot en fait. Tout le monde est occupé du coup. Pour le moment. Ah, je lui bloquais le chemin en fait. D'accord. C'est bon. Ok, donc maintenant qu'on a optimisé un peu plus tout ça, moi j'aurai moins de chemin à faire. Nickel, on va pouvoir continuer à créer quelques petits robots pour optimiser la production au maximum. Je vais aller crafter un gars en plus. Donc, il y a quelqu'un qui apporte tout ça. Je sais pas quoi faire avec lui en fait, pour le moment. je ne sais pas quoi faire avec lui pour le moment. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme nouveau truc? Worker assembly. Donc on en a déjà un. Recycleur. Permet de recycler. Metal worker. Metal worker. On va laisser un espace quand même au cas où. Hop. Il va nous falloir du métal. Pour faire du métal, je pense qu'il va nous falloir un four. Okay. Non.
c'est pas possible. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est écrit quoi? C'est écrit wood router. Un routeur. Ouais. Donc un routeur de bois, ouais, bah je vois pas en fait. Putain, ça c'est pas pour le moment. C'est pas pour le moment. Ce qu'on va faire du coup, métal, je ne sais pas comment en avoir. Donc déjà, ce qu'il va nous falloir, c'est... C'est où? Voilà, une pique, donc une planche. Et ceci. Voilà, on va pouvoir aller récupérer ça. Et ici, on va aller miner. On va aller miner tant qu'on n'a pas de métal. Donc ça, c'est quoi? C'est du métal or. Ouais, mais faut le faire fondre au final. Faut le faire fondre. Faut le faire fondre. Et peut-être qu'il va falloir qu'on place un truc du genre... ça, tiens, on va bien voir. Il faut du clay. On va aller voir par ici. Comment qu'on obtient du clay? Donc je ne sais pas. Là, il faut deux planches. On va aller récupérer ça. Non, ça c'est une sorte de stockage, je pense. Ouais, non, ça marche pas. J'ai pas essayé avec la pioche. Non. Peut-être qu'il nous faut une... ça. Voilà, on va poser ça là. Merde, je me plante de touche. Ou non, j'ai peut-être une idée. C'est peut-être une autre chose. On va voir. Je pense que ça va pas le faire. Ah si, ça fait. Ça, c'est cool. Ok, d'accord. Il nous faut ça. Bah, tu sais quoi? Hop là. Toi, Georges... va récupérer ça. Et tu répètes. Voilà. Donc par contre, il va falloir que je fabrique des... du coup des... merde. Des pioches. Enfin des pelles. On va poser ça là. Là, on va lui en mettre une. Nickel. Voilà. Ça, c'était fait. On récupère encore une planche. On va aller les poser là. Tout ça, je récupère. Et on va faire d'autres pôles. On va poser ça là. Et comme ça, on va optimiser un peu plus la chose. À l'avenir, il va falloir que je dise un... un gars de le faire. T'es con, elle est là. C'est pas grave. Donc du coup, on va récupérer un peu de clay. Hop. Je présume qu'on peut pas en récupérer plus. C'est pas grave. Ah, attendez. Ah non, je croyais qu'il les avait mis dedans. Voilà, nickel. Donc
qu'on va pouvoir mettre. Merde. Je veux du métal. Il va nous falloir du charocal. Ok. Et pour ça, il va nous falloir des logs. Au final, j'ai bien fait d'optimiser la. De lancer la production de. Ok. Métal. Et. Nickel. Bon, on va faire un autre gars qui va aller miner tout le temps. Non-stop, comme ça on va avoir une production ici. Et on a du métal. Et il va nous falloir de métal. Donc on n'a pas encore assez. Ok. Donc ici. Voilà. Une planche. Là on va récupérer ce qu'il nous faut. Non, là il va nous falloir du coup des planches. En attendant ici on va poser ça. C'est bon, on commence à optimiser la chose. Là on commence à être pas mal. Par contre pourquoi personne va le... Ah peut-être qu'il est pas dans une zone. C'est ce que j'avais remarqué aussi lors de mes essais. C'est que il me semble qu'il a une certaine zone d'effet. Donc là, on va devoir fabriquer d'autres haches. Et voilà, enfin d'autres pioches. On va aller les poser là. Hop. Comme ça, il aura des pioches d'avance. Donc là, hop, Louis, je veux que tu récupères ça et que tu ailles miner là-bas. Toc, et que tu répètes. Go. Ah, il peut pas miner si je suis avec lui. Bon, allez, hop. Je te laisse faire. Bon, je te laisse faire, j'ai eu ce que je voulais. Ici, du coup, on va fabriquer du charbon. Et je vais même créer un autre four, je pense. Et je vais dire à un gars de faire que du charbon. Comme ça on aura de l'avance. Hop. J'espère que j'ai réglé le son. Vu qu'il n'y a pas de musique encore dans le jeu, j'ai essayé de régler le son de mon côté. De mon côté pour que ce soit bien. Il va falloir qu'on optimise aussi qu'on automatise plutôt la production de. Mais qu'est-ce qu'il faut? Ah, il attend que. Il attend que. Toc. Non! Voilà, cancel. Ah yes, en plus ça a fait sortir. Toc. Voilà. Et... Tiens, il y a tout le monde qui tombe en panne en même temps. Voilà. Comme ça c'est fait. Et on va pouvoir du coup récupérer tout ça. Et j'ai pas vu l'heure. J'ai pas vu l'heure, j'ai pas fait attention à l'heure. Et je vois que ça dépasse. Donc on va juste refabriquer un autre four, finir de faire tout ça. Ah oui. Le four,
il est là. Ah, je ne peux pas parce que je suis dessus. Sang. Ils vont venir m'embêter jusqu'à la fin, quoi. Voilà. Ça. Ok. Hop, on va aller récupérer tout ça. Toc. Nickel. Donc lui, voilà. Lui, on va fabriquer des chars. C'est bon. Toi, tu vas aller récupérer un log. Et tu vas le mettre là. Par contre, voilà. Forever, répète, go. Normalement. Pof. Et voilà. Ça va fabriquer maintenant, du coup. On a automatisé la production de ceci. On va refaire une petite vidéo encore, je pense, d'une demi-heure, histoire de vous remontrer un peu plus de choses. Et après, je pense que ce sera pas mal. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Vous trouverez plein de petits jeux que je présente dans ce genre-là. Enfin, des jeux indépendants, pas forcément comme celui-là. Pas forcément des jeux de gestion ou de crafting. Mais j'essaye de présenter vraiment tout. De l'action, du roguelite. Enfin, voilà quoi. Je vous laisse découvrir la chaîne si c'est pas déjà fait. Des bisous, c'était Soy. Je vous remercie encore d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je remercie les nouveaux parce qu'en ce moment là, j'en ai eu. Il y en a pas mal qui arrivent, donc c'est cool. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.